Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Il me semble important d'insister sur plusieurs points concernant les nombres décimaux. Vous aurez remarqué, je pense, qu'il y a une forme de symétrie dans l'écriture d'un nombre décimal. Les dizaines avec les dixièmes, les centaines avec les centièmes, et les milliers avec les millièmes. J'insiste beaucoup sur le fait que cette symétrie se fait par rapport au chiffre des unités, et non de la virgule. La virgule n'existe que pour désigner le chiffre des unités. La dizaine est 10 fois plus grande que l'unité, alors que le dixième est 10 fois plus petit que l'unité. De même, la centaine est 100 fois plus grande que l'unité, et le centième est 100 fois plus petit que l'unité, etc. C'est donc bien l'unité qui fait office, entre guillemets, d'axe de symétrie, et non la virgule. Une dernière remarque concerne l'écriture décimale en elle-même. Par exemple, 63 unités et 148 millièmes s'écrit comme la somme d'une partie entière, 63 unités, et de la partie décimale, 148 millièmes. En règle générale, tout nombre décimal s'écrit comme une somme d'une partie entière et d'une partie décimale. Un nombre décimal n'est pas deux nombres entiers séparés par une virgule. 148 n'est pas un nombre entier. C'est 148 millièmes, c'est-à-dire 0 unité, 1 dixième, 4 centièmes et 8 millièmes. En fait, tout nombre peut se décomposer de sorte que chaque chiffre qui le compose soit associé à sa position dans l'écriture décimale. 63 unités et 148 millièmes, qu'on pourrait dire 63,148, c'est égal à 6 dizaines, donc 6 fois 10, plus 3 unités, donc 3 fois 1, plus 1 dixième, donc 1 fois 1 dixième, lui-même étant écrit en écriture décimale, 0,1. Plus 4 centièmes, donc 4 fois 1 centième, plus 8 millièmes, donc 8 fois 1 millième. Ce qui peut se réécrire encore une fois avec les fractions décimales.